Salut les gens, c'est Unjo Shenfast, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le live reaction de l'épisode 80 de l'Attaque des Titans. Et cet épisode arrive après deux épisodes masterclass, clairement les meilleurs je pense de l'Attaque des Titans qu'on ait eu. Avec la révélation qu'on a eue dans le dernier épisode du pouvoir du titan assaillant, on a pu voir aussi que Eren c'est lui qui a manipulé Grisha. C'est lui qui lui a dit de simplement tuer la famille royale. Voilà, du coup, on se retrouve avec un Eren complètement différent de ce qu'on a d'habitude et on va voir ce que ça donne justement dans cet épisode. C'est parti. Ok, allez, c'est parti. Ah. On retourne au combat entre Grisha et Frida. Ils vont nous montrer le combat, du coup? Ah ouais, c'est assis dessus comme un poisson pané, là. Ah ouais. Non, mais en fait, il n'y a pas eu de débat dans ce combat. Elle s'est fait démonter en deux secondes, Frida. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Ok. Ah, il y a toujours cet OST. Ah, il est magnifique, j'adore. Ok. Oh. 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 Oh, putain. Grisha, ouais, du coup, qui les a tués et qui... Et qui a fait ça que pour Eren, au final, que pour son bon plaisir, parce que lui, il sait pas ce qui va se passer. Il a vu que quelques scènes. Il sait même pas ce qui est arrivé à Carla, le pauvre. C'est le rêve d'Eren qui va se réaliser. Eh ouais, c'est pas ton rêve, Sig. J'ai vu à travers les souvenirs d'Eren, mais je n'imaginais pas quelque chose d'aussi horrible. Et là, il le voit vraiment. Il voit son fils. Putain, mais Grisha, son Seiyu, il a tellement géré. Le mec, en 4 saisons, il était pas là. Mais là, pour ce moment, il a géré. Avec l'acceptation de Sig. Qui se dit, ça y est, je te pardonne. Papa, voilà. Zik. Arrête, Eren. Ah ah ah. Il est là. Oh, avec cette tête, oui. Allez, on est reparti là-dessus. Bah alors, on assiste même pas au moment où j'ai dévoré notre très cher père. Moi, il avait peut-être pas envie, hein. Il savait qu'il allait s'emparer de l'originel et il ne pourrait même pas utiliser le pouvoir. Malgré tout, il s'est acquitté sa tâche et te l'a confié. Ah, il a failli dire papa encore. Au final, en fait, c'est l'originel, il est revenu à Eren comme il l'avait prévu. Hein. Je t'en suis reconnaissant, mon frère. C'est grâce à Sig tout ça, en fait. Mon souhait ne se réalisait pas et c'est toi qui l'emporterais. C'était il y a 4 ans, j'ai vu mon propre avenir par le biais de souvenirs. Et alors j'ai su. Oh! Oh, il lance le plan! Il lance le plan! Et Ymir, elle y va! Elle y va! Oh, c'est la merde. Oui, c'est l'axe. Grisha m'a demandé d'arrêter. Il regrettait de t'avoir écouté. Je ne sais pas ce que tu as vu dans ses souvenirs. Oh. Allez, Eren, vas-y! Tu ne l'as certainement pas vu dans son intégralité. La preuve que même ici, tu ne pourrais pas accéder au... Tu savais même pas, oui, savais même pas qu'il pourrait accéder au pouvoir de l'originel ici. Tu restes toujours aussi impuissant. Oh putain! Ah. Oh, il s'est arraché les mains. Vas-y, Eren, fonce. Il court, hein. Ah ouais, ah, il a plus de doigts, là. C'est peine perdue, Eren. Une fois que Ymir est lancé. Wouah. Cette scène. Personne ne peut plus l'arrêter. Oh, ah, il y a l'opening qui arrive là. Ah, yes, 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 yes. Ah, c'est incroyable, j'adore. C'est insupportable votre attitude. Épisode 80. Ok. Bon. Ah, on retourne avec Historia et Frida. Frida, elle était tellement gentille avec Historia, c'était la seule qui était gentille. C'est quoi être une fille, une petite fille condamnable? Bien, disons que...
Chinaka et prendre exemple sur ton héroïne. Oh. Oh, c'est là qu'on va avoir ça. Tu l'aimes bien, Historia. Oh. Je comprends, elle est adorable et toujours très attentive aux personnes de son entourage. Donc là, on a le passé d'Ymir, du coup. Oula. Oula, ça va attaquer son village, ça. Oula. C'est la merde. Ah bah oui, là, clairement, oui. Finalement, ils ont tout brûlé. Ils l'ont réduit en esclavage. Le monde dans lequel nous vivons est dur et impitoyable. Oula. Deviens comme elle pour survivre. Ouais, bah, vite fait, du coup. Ouais, il est très beau le parallèle, là, du coup. Nous devons tous nous serrer les coudes, tu comprends. Oh, c'est un mariage. Et du coup, elle, elle a été réduite en esclavage. Du coup. Oh, il y a quelqu'un qui a laissé les porcs et s'échapper. Qui a voulu bouffer les porcs? Dites-le. Oh. Il dénonce. Oh, ils se dénoncent tous, Ymir. Oh, les connards. Ah, les connards. C'est donc toi, la fautie. Ah, ils l'ont tous désigné du doigt. Très bien. Tu es libre. Bah, cool. Ah, non, moins cool, finalement. Moins cool, la liberté. Ah, se poursuivre. Ils l'ont exilé. Ah. Putain, ça va faire mal. J'allais dire, ça va faire un mal de chien, et puis il y a des chiens. C'est bon, je suis un génie, finalement. Il y a toujours ces fleurs, quand même. C'est incroyable. C'est un gros bambou que t'as là. Elle va se réfugier à l'intérieur. Parce que sinon, elle va se faire démonter par les chevaux, alors, et les chiens. Elle est ressortie de l'arbre? Ouh. Merde, elle est tombée dans l'eau. Compliqué de son passé, elle. Elle a vraiment pas de chance. Elle doit pas savoir nager, en plus. Oh. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà-je? Qui voilà-je? Ah oui. C'est ce moment-là. Le moment où Ymir a pris contact et est devenu le titan fondateur. Oh putain, il est horrible. Ah, il est dégueulasse. Il est bien dégueulasse, hein. Ymir, mon esclave, tu as bien travaillé. Ok. Tu as ouvert des routes, aménagé nos villes et des terres cultivables. Et ériger des ponts au-dessus de vallées infranchissables, je crois que c'est. Tout ça a permis à Eldia de s'étendre et de prospérer. Au final, même en ayant été devenu un titan, elle est devenue un esclave, en fait. Ouah. Ah, il est horrible. Il est horrible, son titan. Et du coup, là, ils se battent contre Mar. Au nom des Fritz. Ouais, elle est tombée enceinte, du coup, avec le roi. Et elle a des enfants. Avec lui. Pour perpétuer la lignée royale. Elle se retransforme encore. Ah, mais il est dégueulasse, son titan, vraiment, hein. Deuxième enfant. Ils érigent des routes. Des aqueducs. Ils font un peu tout, hein. Tout ça grâce à Ymir. Grâce à une enfant esclave qui, au final, a... les rester malgré son pouvoir. Ils ont pas de yeux. Enfin, l'animation fait que, du coup, on voit pas leurs yeux et pas leur véritable expression. Ça, ça a l'air d'être des mares. Ah, d'accord! Ok. Ah. Oh, elle est débile. Mais non. Du coup, lui, c'est Elos. C'est Elos, le mec qui a... le mec dont ils ont fait le héros chez Mar. Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. C'est pas une vulgaire lance qui peut te tuer. Bah techniquement, elle a le pouvoir du titan, donc elle peut se régénérer.
Ils mirent mon esclave à aller debout au travail. Non, elle veut plus. Elle a plus la volonté de vivre, en fait. Et donc là, elle, on la voit dans le chemin. Oula, ah, dégueulasse. Mangez, mes filles. Vous devez à tout prix obtenir leur pouvoir. Ah, ils ont bouffé Ymir. Ah, Maria Rosessina. Ça vient de là, du coup, les noms des murs. Des filles d'Ymir. Et donc là, avec le chemin et trois branches, du coup, parce qu'on a trois nouveaux possesseurs de titans, vu qu'ils ont bouffé leur mère. Quand votre heure viendra, dominer votre ethnie, à manger vos enfants. Ouais. Là, on a vu tous les titans, je crois. Colossal et tout. Elle, esclave du chemin. Ça doit être dur comme travail. Il n'y a pas trop de RTT, je pense. C'est elle qui façonnait aussi les titans colossaux. Bah, il façonnait tous les titans avec le sable, du coup, du chemin. Ah, ils sont horribles, eux. Ils sont dégueulasses, ces titans-là. Ah, bah du coup, c'est elle qui a fait tous les titans du mur, c'est logique. Et qui, elle les a fait un par un. Assez haut. Je vais en finir avec ce monde. Confirme ta force. Tu n'es pas esclave, pas plus qu'une déesse. Juste une personne ordinaire. Tu n'as pas à te soumettre à qui que ce soit. À peu de temps. Bah c'est évident qu'Eren, il soit comme ça avec Ymir. Il a dû voir l'histoire, du coup. La décision t'appartient. C'est ton choix. Rester ici pour l'éternité. Oula. C'est toi qui m'as dit jusqu'ici, non? Ouh. Ouh la tête. Ça, c'est une tête de vénère. Et on voit ses yeux, enfin. Oh. C'est une espèce de centipède, là. Oh, qui s'accroche à la tête d'Eren. Oh, putain, c'est énorme. Oh, oh, Eren qui revient, du coup. Oh oui, la transformation. La transformation en titan, les gars. Oui. Les murs qui s'effrontent, ça y est, les gars. Le grand terrassement est là. Allez, du coup, elle qui est sur le mur, faut qu'elle se casse, hein. Magat, Flock, oh putain. Jean et Connie. Gabi, elle est en dessous de tout ça, hein. Aïe, aïe, ah, c'est beau. Tous les murs qui s'effondrent. Qui laisse... Oh, qui libère tous les titans. Tous les titans colossaux. Ah, Gabi qui voit tout ça. Wouah! Oh, c'est trop bien, j'adore, oui! Trainer qui va sauver Gabi. Non, ça nous laisse pas là-dessus, on est d'accord. Wouah! Oh, ça y est, il s'est mis en marche! Le grand terrassement s'est mis en marche! Le grand terrassement s'est mis en marche, les gars. Aïe, aïe, aïe. Semble surgir de l'endroit où se trouvait Eren. Ce serait donc... Eren s'est emparé... Hein? Eren s'est emparé de l'originel. C'est lui, c'est sûr. Il a aussitôt déclenché le grand terrassement. Il compte écraser la coalition Mar qui est en train de se... Oh. Les tics, hein. Eren est de notre côté. C'est évident. Finalement, il serait du côté d'Armin. Ah ouais, bataille Elena, du coup, elle est deg. Sig. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, il a vraiment libéré tous les murs, ce con. Le mur Maria s'est effondré, lui aussi. S'il s'agit juste d'écraser les forces de la coalition, ce ne serait pas la peine d'en arriver là. Les titans de l'enceinte de Shikanshina largement, suffisaient largement. Mais là, il se sacrifie complètement les murs. C'est qu'il ne compte pas limiter la destruction de cette armée. Oh, 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 peuple d'Ymir. Ça y est, c'est le moment, les gars. C'est le moment. Mon nom est Eren Yeager. Je m'adresse à vous par le biais du pouvoir de l'originel. Oh, j'ai rompu la rigidification de tous les murs de l'île du paradis. Les titans qui sommeillaient alors se sont mis en marche.
Mon objectif est de protéger la population de cet endroit où je suis né, où j'ai grandi. Oh oui. Ah mais du coup, il y a tous les autres aussi. Le reste du monde, lui, cette fois, c'est sa destruction. Il voit notre peuple dans son ensemble UN ancestral. Avec Oh Historia, qui ne trouverait satisfaction que dans notre complète aliénation. Je ne laisserai pas une telle chose se produire. Ouah, les titans des murs vont déferler impitoyablement. Les gars, c'est génial. Oh putain, oui. Oh, je vais le regarder 5 fois cet épisode, je pense. Il est incroyable. J'ai pas vu le temps passer. On y est. Ça y est, on y est, le grand terrassement est lancé par Eren. Ça y est, enfin. Ce qu'on attendait depuis le début, en fait, vraiment, qu'on nous a teasé à travers aussi l'opening de l'attaque des titans. La forme du titan d'Eren qui est complètement ouf, on va dire ça comme ça, mais qui a l'air gigantesque. Tous les titans colossaux, du coup, qui sortent des murs et qui vont déferler sur le monde. Eren Yeager qui, à travers le chemin, annonce à tout le monde qu'il va faire le grand terrassement et laisser déferler sur toute la Terre, tout simplement, les titans colossaux. C'est juste incroyable. Retournement de situation. Eren qui a réussi à mettre Ymir, on va dire, dans sa poche en lui disant tout simplement de laisser libre cours à ce qu'elle voulait, de ne plus être esclave de ce qu'elle fait et juste de faire enfin ce qu'elle veut, tout simplement. Parce que Ymir est une esclave, c'est une esclave en plus dont on a vu son histoire, mais même avec le pouvoir du titan, est restée esclave. C'est-à-dire que même son pouvoir de titan, en fait, ça lui servait à rien parce qu'elle est restée quand même esclave du roi au final. Elle a été esclave toute sa vie pour qu'au final, elle attende l'arrivée d'Eren, justement. Elle attendait ici depuis 2000 ans, je crois, un truc comme ça. Et elle attendait quelqu'un qui puisse justement lui dire de enfin se libérer, tout simplement, et du coup être en accord avec le plan d'Eren qui va déferler sur le monde avec tous les titans colossaux. J'ai hâte de voir ça, on va dire. Et voilà, retournement de situation. Sig, du coup, bah, qui est dans le chemin, je sais plus, du coup, parce qu'il était juste en dessous du titan. T'as Gabi aussi qui est juste en dessous du titan de la transformation d'Eren. Mais les murs qui ont été dérigidifiés, un truc comme ça on peut dire, et qui l'ont libéré, tous les titans colossaux, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si je ferai une review, je vous préviens, je sais pas si je ferai une review, tout simplement parce que j'aurai peut-être pas le temps, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, des trucs assez sympas, par exemple le fait que celui qui a tué Ymir, en fait c'est Elos, du coup, c'est ce qui est considéré comme le héros du coup de Mar. Parce que Elos a tué tout simplement Ymir. On peut citer aussi le fait que du coup c'est Eren qui a repris le contrôle de Ymir. L'espèce de centipède là, je sais pas ce que c'est, mais un truc qui s'est accroché à Ymir et du coup qui est sorti du corps d'Eren pour retrouver sa tête et qui lui a redonné vie. Voilà, il y a tellement de choses à dire, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire une review. Je vais essayer, mais je vous garantis rien. Bref. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il y a aussi notre Instagram et notre Discord en description si vous voulez nous suivre de part. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis du coup, peut-être, je dis bien, à demain pour la review. Et sinon, pour les autres, la review de Tokyo Revenger arrivera mercredi. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Si j'ai kiffé cet épisode, portez-vous bien. Ciao !